J'aurais donc compris, la nationale numéro 7 relie plutôt la ville d'Edéa à celle de Kribi. On parle toujours de circulation routière. Le préfet du Voury, Benjamin Mboutou, impose de nouvelles restrictions aux conducteurs de moto-taxi dans la ville de Douala. S'ils peuvent désormais circuler librement après le couvre-feu imposé par le gouverneur de la région Samuel Dieudonné, Ivaha Djiboua, ces derniers sont interdits jusqu'à nouvel avis d'émettre des sons, des klaxons prolongés et des bruits assourdissants sous peine de se retrouver en fourrière. Nouvelle restriction pour les conducteurs de moto-taxi dans le département du Voury au Cameroun. Mercredi 28 décembre 2022, Benjamin Mboutou, le préfet du dit département, a signé un arrêté portant interdiction des vacarmes orchestrés par certains groupes de conducteurs de moto-taxi dans la ville de Douala. L'arrêté, en vue de préserver l'ordre public, interdit jusqu'à nouvel avis les sons, klaxons prolongés et bruits assourdissants de ces derniers sous peine de se retrouver en fourrière. Ainsi donc, sauf dérogation, les organisateurs de telles manifestations devront au préalable obtenir une autorisation express délivrée par les autorités compétentes et la recevabilité de leur demande sera subordonnée au visa des présidents de leur association ou syndicat, mentionne l'arrêté. Au Cameroun, les conducteurs de mototaxis sont reconnus comme étant des animateurs publics, très souvent, que ce soit pour les deuils, les grèves ou quelque événement que ce soit, où ils sont désirés, ces derniers créent par la même occasion un vacarme grâce à la musicalité de leurs klaxons, contribuant par ailleurs à créer des embouteillages et donc du désordre urbain. Le préfet du département du Voury, Benjamin Mboutou, invite par ailleurs les sous-préfets des arrondissements de son département, le commandant de groupement de gendarmerie territoriale de Douala et les commissaires centraux de la ville de veiller au respect de cette consigne. Cette décision intervient 2 jours après la levée de restrictions de circulation des mototaxis dans la ville de Douala. Pendant une semaine, ces derniers étaient interdits par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Djiboua, de circuler après 22 heures. La décision intervenait après une psychose dans la ville attribuée au phénomène de microbes et favorisée selon certaines sources par ses conducteurs de mototaxis.